C'est déjà une longue histoire entre Pierre, Georgine de Grove et la commune de Pont-Scorff, puisque ça fait déjà presque 5 ans que je les ai vus passer devant mon bureau à la mairie avec notre curé qui est dans le quartier. Il venait proposer à la commune de Pont-Scorff d'accueillir les œuvres de Pierre. J'étais séduit et en même temps, je mesurais la complexité de l'affaire. Il y avait bien ce bâtiment derrière, en partie désaffecté, qui était une mairie-école, qui datait de la fin du 19e, à l'époque on faisait encore, il y avait plusieurs exemples dans le département du Morbihan, des mairies-écoles, donc c'était une école de garçons, et mairie en même temps, et d'ailleurs la cour de récréation, c'est la place où vous êtes là aujourd'hui. Et donc vous avez là ce beau bâtiment de la vie de tous, magnifiquement restauré. C'est un écrin pour les œuvres de Pierre. Ce bâtiment dont nous devons la conception à Yves Dubost, qui est là, juste devant moi, c'est un architecte de l'Est du département et qui sévit sur Pont-Scorff depuis de nombreuses années. Merci Yves. La scénographie, muséographie sont dues à Rémi Bachimon, qui n'a pas dormi beaucoup ces temps-ci. Merci Rémi. Et je ne saurais oublier les entreprises. Je dois dire qu'elles sont toutes meilleures les unes que les autres. Donc merci. Merci à Pierre et à Georgine. Merci à vous tous. Bravo. Et puisque nous sommes dans une région côtière, bon vent à l'espace Pierre de Grove. Merci. Un jour de l'année 2007, un père abbé du monastère important de Bénédictins nous disait: il vous faut, pour réussir, une seule personne convaincue et enthousiaste de votre projet pour réussir. Une seule personne, une. Encouragés par ces paroles prophétiques, nous avons continué à chercher et nous avons trouvé le sauveur annoncé dans la personne de Monsieur le maire de Pont-Scorff, Pierrick Nevanin. Dès notre première rencontre, il déclara d'emblée, en feuilletant l'album de photos de mes sculptures, « Ça m'intéresse. Quelles sont vos conditions ?» Nous sommes restés ensemble une heure durant au bistrot du coin, en compagnie de René, le curé de Pont-Scorff, qui nous avait introduit auprès de Monsieur le maire. Nous avons discuté pendant une heure tout en dégustant une petite bière. Après, nous avons dû pratiquer la belle vertu de patience. 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 5 années. Mais les choses se sont mises en place doucement, secrètement, mais solidement et au-delà de toute attente. Comme M. le maire a dit, l'architecte Yvon de Bost et Rémi, ils ont magnifiquement installé, restauré et installé ce bâtiment qui est si riche en souvenirs pour beaucoup d'habitants de Pont-Scorff. Georgine, je suis maintenant moi pour dire à vous toutes et tous un grand merci. Sans Georgine, eh bien, il n'y aura pas eu d'espace, je vous le dis tout simplement. Et en préparant cette journée, je me suis dit, quelle est la raison pourquoi je me sens si bien ici à Pont-Scorff? Et j'ai trouvé une réponse un petit peu personnelle, si j'ose dire. Je suis hollandais, comme vous avez pu constater ou le deviner
à mon accent, indécrottable. Bon. Entre la Hollande et la Bretagne, il y a des liens qui nous unissent. Il y a d'abord le ciel. Il y a d'abord le ciel, la lumière, le temps, le vent, la tempête, le temps qui change 3 fois par jour. C'est extraordinaire. Il y a surtout la mer qui nous entoure et nous prend dans ses bras, pénètre dans nos terres. Mon pays, la Hollande, est bas, pour un tiers, en dessous du niveau de la mer. La mer qui nous stimule, qui nous provoque, nous attire et nous fait vivre d'une richesse inestimable. La mer nous invite au-delà des horizons à découvrir d'autres cultures, d'autres pays. La mer nous demande de vivre dangereusement, d'aller vers l'essentiel, de vivre et de penser large. En général, nous considérons la Bible comme un livre éminemment religieux, à la source de 3 religions monothéistes. Mais, comme disait un jour Sœur Louise Morin, et cela va peut-être surprendre certains d'entre vous, la Bible est avant tout une œuvre littéraire, universelle, humaine et philosophique. Un livre qui essaie de donner une réponse à de grandes questions que tout homme, de quelle culture qu'il soit, se pose. D'où est-ce qu'on vient? Quel est le sens de notre vie? Pourquoi tant de souffrances? Qu'est-ce que c'est l'amour? La Bible est un livre où on va à l'essentiel. Et on est invité à découvrir une perspective au-delà de notre horizon, aussi large que la mer, aussi large que la mer. Ses origines se perdent dans la nuit du temps et sa composition s'étale sur plusieurs siècles. Elle cache dans ses racines des influences sumériennes, babyloniennes, égyptiennes. Comme toute œuvre littéraire, le théâtre grec, le théâtre de Shakespeare ou de Corneille ou de Racine, la Bible se situe au-delà du temps. Elle est contemporaine de toutes les époques. Le prophète biblique qui critique la société de son époque, ceux qui exploitent les démunis et les pauvres, eh bien, il est de la même famille que Martin Luther King, Dom Helder Camara, Gandhi. À son époque, ils défendent, comme tout prophète, la dignité de l'homme. Nous avons donné à cet espace, à cette école et à cette mairie, le titre, le nom d'espace et non pas de musée. Dans un espace, on respire, on vit, on se déplace, on va d'une œuvre à l'autre, on va vers l'autre, on se rencontre, on échange. C'est vrai que dans l'avenir et toujours, ces œuvres vous aident à respirer, à vivre. Le moment est important. Il concrétise, vous l'avez rappelé, monsieur le maire, le résultat de tant d'années de recherche. Bien sûr, le temps de réaliser ce projet, mais le temps de chercher ce lieu d'implantation. Merci tout d'abord à Pierre et à Georgine. Je sais que c'est une grande joie pour vous aujourd'hui. Mais c'est une immense occasion pour nous de vous dire merci pour le cadeau que vous nous faites. La transmission de l'œuvre est accomplie. Et l'espace Pierre de Gros restera toujours ce lieu de parcours où chaque fois, chacun retrouvera le sens de sa vie. C'est vrai qu'en se promenant dans Pont-Scorff, on comprend la cohérence. On comprend que l'espace Pierre de Gros est bien dans cet univers.